En la ville, c'est un choix de vivre une qualité de vie, un style de vie, un environnement. Aujourd'hui, nous demandons à quel point la ville répond aux attentes de la population. Parce que étant donné un peu performance par la ville en termes d'attirer la population, nous trouvons que dans la dernière naissance, en 2000 à 2011, il y a une baisse de la population par la ville. Aujourd'hui, par exemple, il est sorti 144 000 d'Igoune, il arrive 137 000 habitants. Au Bassin-Rosile, 104 000, il arrive 103 000. Kempit, 79 000, 77 000, 10, 4 bols, distant. Donc, et là, nous nous demandons donc, est-ce qu'il va la ville peut répondre vraiment à ce que parmi les citadins peut voler. Il nous dit aussi qu'il y a la ville plus prise que d'autres villes. Par exemple, 4 bols, on répond à ça. Sur le prix terrain, à peu près 40% plus que Rosile. Donc, ça a aussi montré que la ville plus performe bien en termes de l'attractivité que dans les autres villes. Donc, comment nous concevoir tout cela? Nous avons devant nous 6 prochaines années. Donc, dans le conseiller qui peut être élu le 14, qui peut être élu le 14 juin, pour un an 6 ans pour concevoir et concrétiser la ville de demain. Une ville où le maître mot c'est une ville, la ville où il fait bon de vivre. Donc comment nous trouvons ça la ville-là, en ce programme et en ce généralité, un espace cœur de ville, premièrement. Un espace cœur de ville que nous réanime la ville. Parce que nous disons dire aussi dans notre centre commercial, maintenant tout le monde préfère le bagatelle, la croisette, etc., que plutôt le cœur de ville. Donc refaire vivre dans la ville face à la concurrence qui vient, par exemple, dans le centre commercial, il est important. Donc, redonner vie à sa cœur de ville-là, avec le commerce, avec l'administration lui-même, par le bureau administratif, la restauration, par le centre de loisirs, par le gymnase, et assurer-nous que ça, ce cœur de ville-là, est connecté avec la périphérie. Donc, c'est ça le concept, un cœur de ville, aussi comme en France, un square, etc., mais là, il n'est pas pour ça, mais il est quand même un espace défini pour concentrer une activité pour la population, pour faire la ville-là vivre. Second affaire, donc le premier collègue de ville, second affaire, nous autant de faubourg, devant le faubourg, qui devant le ruine dans le centre-ville. Et non, sa perception, c'est un vrai problème, que quand on passe dans la ville, on rentre dans la rue, on sent une ville bien propre, dès qu'on tombe devant le faubourg, devant la périphérie, là, c'est un amas de saleté, terrain en friche, c'est pas l'affaire. Mais dans sa perception, il y a un cassé, qui est aussi une réalité, qui va un faubourg moins d'attention, qui va un centre-ville. Donc, s'assurer qui, et ça, il y a pourtant une intégration sociale aussi, qui nous capable d'avoir le même type d'environnement dans un faubourg que devant la ville, dans la périphérie qui est dans la ville. Donc, l'environnement est important, un environnement sain et clé, pas un terrain en friche. Ça, dès qu'il est ramassé, il y a même un peu de sécurité, il y a même aussi bien sûr pas de maladie, une gagne en cas de dengue, etc. récemment. Donc l'environnement est propre. Faire le fait que le terrain en friche, c'est quelque chose du passé, finir ça. L'éclairage est, pareil qu'on le fait dans quatre mots, s'assurer qu'il y a une caméra de sécurité, autant que possible. Aujourd'hui, toute la ville dans le monde est dans la caméra, mais nous, en retard, nous s'approchons. Mais nous pensons aussi pas un petit du monde, pas le paiement en semaine, mais cassé. Vous pouvez même dire le paiement en semaine. Mais trottoir, très peu de gens connaissent le trottoir. Alors qu'il y a moins d'employés qui étaient dans les trottoirs. Donc, trottoir, abribus, pensez à tout le monde dans la ville, pas juste à un petit monde qui paraît plus visible, mais tout à tout. Dans le même cas, dans la même chose que Ravine nous dit, crèche et garderie. Il y a un pourtant qui est capable d'offrir sa service. Ça, c'est très prisé. Crèche et garderie, avant de prix raisonnable, avant de crèche et garderie municipale, très prisé. Si on adore ça, mais il y en a très peu. Les aides donnent une chance à nos enfants ouverts d'esprit dès l'âge de 1 an, jusqu'à 3 ans, après le droit d'appeler primaire. Mais aussi, les aides capables d'acheter un moment, bien l'occasion pour le travail, en l'essence de nos enfants, toute sécurité. Une autre affaire que j'ai entendu causer, c'est sport.
Et voilà, on pensait de bien mettre le maximum, j'étais lavé de mieux que d'autres, c'est mettre le maximum chez Van, aménité sportive, Van gymnase, Van décrépitude, Van terrain de foot, même sur le pont, la plupart des choses fermées comme ça. Et donc, le point de sport, pour nous, c'est une priorité. Avec bien sûr le nord, pas pour le ciel, pour vivre nos circulations routières, ça c'est obvious, hein, qu'il faut nous aider avec ça. Et sans oublier la culture. Quand aujourd'hui, on parle d'un bon pièce qui a d'apport à quoi dans c'est là, n'est pas quoi. C'est constant, c'est la fête. La piscine, mais le besoin de la culture. Donc, qui, comment, quand on s'approche, pas proche, ça, vraiment, vous allez dire, puis ça va être fait que je vais discuter aujourd'hui et qui peut distribuer. Si les villes, on dirait, formalisent un exercice et un programme, un projet qui peut être discuté à travers l'île depuis campagne électorale, à travers la ville depuis campagne électorale, ils viennent formaliser ça aujourd'hui, ils viennent sceller un engagement qu'on peut prendre en toute confiance avec la population. Fil conducteur de l'action, 6 prochaines années, c'est quoi? La proximité, le dialogue constant, le dialogue permanent. Parce que c'est pas un citadin, quand on gagne un problème, c'est pas un problème de proximité. Il y a un terrain poussé, la lumière par limite, terrain en frise, permis de construire, permis de gagner, etc. Permis de gagner trop beaucoup. C'est pas un problème de proximité, un lien extrêmement important qui va me conseiller, va me conseiller de proximité. Et là, il va tout le monde conseiller, recevoir le public. On pense à un projet qui va débuter le recevoir le public, va tout comment, on pense tout conseiller, disait un jour par semaine, un jour tous les semaines pour recevoir le public. Donc, c'est pas un problème de quartier qu'ils ont besoin principalement de régler par la vision pour la ville. Il est important donc ce dialogue-là, le dialogue avec les citoyens, avec les citadins, mais aussi le dialogue avec le gouvernement. Moi, particulièrement, nous avons gagné pas mal de problèmes quand nous avons un Amérique qui peut faire politique pour lui faire travail. On prend 2-3 cas. Genre, résidence Père Laval de Chambier, aménage un jardin, commence à aménager tout. Qui, par contre, là-dedans, n'a rien. Municipalité, 4 vols, sous le maire Bipadou, tient un stop pour l'heure que nous aménage le jardin. Ça ne suffit pas. Le cas qu'on prend, la crèche des Valégies. Moi, en tant que ministre de l'Intérêt social, ouvre la crèche. Et comment je n'ai pas été changé, referme la crèche. Qui perd là, c'est l'habitant de l'endroit, bien sûr. Donc, ce constant dialogue avec le gouvernement là est très important pour que personne ne va mettre la roue et le bâton dans la roue. On finit par dire comme ça que moi, on peut noter un certain découragement du MMM. Dans cette ville, pourquoi ils ont déjà tout la ville, dans cette ville, nous venons un découragement du MMM, presque toute la ville, en vérité. Pareil qu'en général, je vous rappelle l'élection générale, gros rappel, l'Alliance CP peut faire réunion, peut faire congrès. Ici, un petit divan, qui est plus pénalisé, va pas finir sur des congrès annulés. Mais ça, c'est deux qui nous trouvent dans le journal, et là, bien sûr, partout. Donc, nous trouvons que le cœur n'y est pas. Alors là, quand il est arrivé, simplement un petit problème de tempérie et campagne électorale arrêtée, c'est un découragement. Donc, avec sa bande meeting, etc., annulé. Nous trouvons aussi pas mal de régionales, etc., préférées, en gros préférées, et viennent vers l'Alliance sociale. Donc, l'Alliance. Sorry. Maintenant, un des affaires, on vient dire, qui. Elle même finissent par une trace d'incompétence dans beaucoup de la ville. On prend juste 2-3 quelques cette trace d'incompétence souvent c'est Forum et la Goriane Pala. À Cartobon, c'était le canal à faire, puis nous refaire entièrement. À Rosil, Plaza, comme le ministre des Finances, qu'on ne finisse pas aider. Elle même 40 millions de roupies pour faire Plaza, jamais elle ne peut pas dépenser là-dedans. Et encore une, notre télescope d'école de boxe. Ah, pour lui, il constate l'abandon de la plaine verte, l'abandon aussi des Roches-Bois, même sa jolie jardin sacré en durant qu'il nous fait là, est délabré. Donc, pour toutes ces raisons, il y a 500 000 personnes qui sont affectées par ces élections-là pour les prochains 6 ans. Réitère l'importance des élections municipales pour la population, pour la qualité de vie, pour la vie de tous les jours, pour le style et l'environnement.
et nous demandons à nos camarades importants qui nous votent pour chaque, qui nous prend chaque municipalité, toutes les 5 municipalités, et qui nous capables de voter pour tous nos 4 candidats sans couper tranché, parce que c'est important que la ville et le gouvernement soient capables de travailler main dans la main pour les prochaines années. Merci beaucoup.